Foutez les mains le corps. Ressaisis-toi, bon sang. Je ne veux rien entendre. Je me tue. Je te jure que cette fois-ci, je vais le faire. Pardon. Vous m'avez relégué au bas de la société. C'est pour cela que j'ai choisi cette mort avilissante. Pardon. Celui qui s'approche de moi, je le tue. Écoute, tu vois les enfants qui sont en train de pleurer. Ce sont tes enfants. Tu veux les abandonner. C'est ça. Tu veux fuir tes responsabilités. C'est ça. Nom de chien. Personne d'entre vous ici n'a de responsabilité à me donner. Pour ce qui concerne mes filles, ça me regarde. Tu entends? Bientôt, elles iront toutes chez leur mari. Qu'est-ce qu'une fille peut me donner, moi? Qu'est-ce qu'une fille peut m'apporter? Hein? Rien. Rien. Elles seront seulement des bordels. Des bordels comme toutes les autres. Laissez-le mourir. Il n'a qu'à mourir s'il veut. Des bordels. C'est pas avec des filles que tu fais tes enfants. Courage, allez, vas-y. Haya. Vas-y. Pousse. Allez, vas-y. Pousse. Regarde, l'enfant vient. Allez, vas-y. Ce que moi je veux, c'est un fils. C'est un héritier. Je veux un garçon qui puisse porter mon nom. Au lieu de cela, Téné m'a donné quoi? Sa première grossesse. Une fille. La deuxième grossesse, une fille. La troisième, la quatrième, des filles. Même Nongma, son dernier mort-né était une fille. Je jure, l'enfant qu'elle est en train de mettre au monde, si c'est encore une bordel, je me tue. Et alors? Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci. Elle a eu de la chance, l'enfant aussi. C'est une étrangère, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne me dis pas le sexe de l'enfant? Mais il n'y a personne dans ce foutu village pour me dire le sexe de l'enfant. Quoi? Puisqu'on ne veut rien me dire, on verra ce qu'on va voir. Non! Nom de chien! Dis-lui le sexe de l'enfant! C'est un garçon. Hey, un garçon? Oui. Un garçon? Ah! Imbécile! Tu n'as pas dit que tu voulais mourir? Ah, mon fils. Mon fils. Mon fils. Dieu me l'a enfin donné. Un vrai garçon. Et...
je vais l'appeler Wenkuni. Wenkuni, Dieu donné. Dieu donné, il va porter mon nom. Ce sera mon héritier. Ah, ce sera mon héritier. Il va porter mon nom. Toi là, ramasse tes bagages et tes enfants et foutez le camp de chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Fous le camp de chez moi, tu m'entends? Allez, dégage! C'est aujourd'hui que tu me dis ça. Oui, partez. Partez! Allez! Rago. Mon Dieu! Laisse. Partez! Allez! Partez! Pardon. Allez! Aïe, donne, Wenkuni. Ah, je vais la donner, mon petit héritier. Il faut boire. Mais quoi? C'est moi qui achète. Ma, Azuka mam suya en coincir ya wakadam ko en coincir ya yete asida su ponya encore le kita gala awa yete kala le kita gala awa ya ye na we ya wa ni na sona nom d'un chien. On ne peut plus se reposer tranquille. Hein? Avec ce tas de bons à rien qui ne pense qu'à boire tout le temps. C'est encore Dieudonné qui fait son numéro. Ah, les hommes. Chasser la mère de ses enfants sans un motif. À cause d'un fils qui ne vaut rien. Un soulard. Pauvre Téné. Que son âme se repose en paix. Je me demande que sont devenues ces filles. Des filles sans parents, seules en ville? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut en tirer? Oh, je crois que Rago a eu raison. Hé, hey, tu n'as pas honte de dire ces choses-là? Ce n'est pas toi qui le conseillais, non? Mais dis donc, nom d'un chien. Mais à qui tu parles comme ça? Est-ce une façon de parler à son mari? Après tout, je suis le sage du village, hein? Oh! Ça a dévié là, ça a dévié. Dero. J'ai soif. Faut mourir tranquillement. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Oh. Mais la vieille, elle vient pas. Maman. Depuis voilà. Tout le monde t'attend ici. Toi aussi. Tu veux qu'on boive quoi si tu n'es pas là? Nous on peut se servir. Hein. Allez. Voilà. Non, ça c'est pour toi. Rago. Nom d'un chien, ça va pas.
Encore. Vite, maman, vite. Ma, c'est elle encore du dolo. Ça suffit comme ça, Dieudonné. Maman, encore. Encore. Tu vois dans quel état tu es. Vraiment, toi, tu fais la honte de ton père. Moi, la honte de mon père? Ah. D'accord. S'il meurt là, c'est pas moi qui le tue, c'est sa maladie qui le tue, ce n'est pas moi. Encore toi, Dieudonné. Toi, le seul fils de ton père, au lieu d'aller t'occuper de lui, tu es. Merde. Eh, vous les filles là, qu'est-ce que vous foutez ici? Mais vous pouvez pas aller de vos mamans? Nom d'un chien. Le village est vraiment gâté. Oh! Il y a un derrière moi. Maman, encore un peu. Hein? Tu ne veux pas m'abandonner? Mais non, un peu. Non. D'accord. Je suis son fils unique, son héritier. Tu comprends ça? Hein? Bientôt, toute la cour sera à moi. D'accord. Attends. Attends un peu. Attends qu'il crève seulement. On verra. Tu iras vendre ton dolo ailleurs si tu refuses désormais de me servir. S'il crève là, moi aussi, je serai libre. Est-ce que tu comprends ça? Non, quoi? Ah, c'est ce que tu dis. Voilà. Moi, je me sers. Que tu veuilles ou pas, je vais boire. C'est Sana. Je te reconnais. Zakzaba. Viens, Sana est venue, la fille de Rago. Nom d'un chien. Sana. Hey. Sois la bienvenue. La fille de Rago est venue. Sana est venue, venez voir. Hey. Dis
calebasse de dolo, j'ai boiré. Tiens, calebasse de dolo, j'ai boiré tous les canaris là. Jusqu'à la mort. Et je veux qu'on écrive sur la plaque tombale, ici, j'ai le roi du dolo. Sana. C'est toi. C'est toi, ma soeur, Sana. Bon. Tu es venu voir le futur maître de la famille. C'est ça? Bien. Tu sais que je suis le futur chef de la famille, non? Hein? Mon père, lui, il ne voulait pas voir de filles dans sa cour. Mais moi, je ne veux pas voir de bordel ni dans la cour, ni dans le village. Tu entends? Tu entends? J'ai un conseil à te donner. Hein? Repars auprès de ton mari. Hein? Tu n'as pas ta place ici. À ton âge là, tu te permets de chier sur la natte. Où est mon père? C'est bien fait pour toi. Il va aller. Tu vas voir l'odeur qui va te rencontrer là-bas là. On va voir si tu vas pouvoir résister. Nom d'un chien. Vaut rien. Rentrons. Ok. Voilà. Hé, hey, vous là, qu'est-ce que... Foutez les camps. Vraiment, Raogo a eu une fille. Mais je te dis que les meilleurs enfants aujourd'hui, ce sont les filles. Si Raogo n'avait pas chassé sa maman, elle ne serait pas ce qu'elle est devenue. Mais il mérite ce qu'il a eu. Nom d'un chien. Venez avec toi, hein. Ah, faut partir, voilà. Ouais, pars avec lui. Bye bye. Bye bye. Partez. Papa, c'est moi Sana. Je suis là maintenant et je vais m'occuper de toi. Tu seras soigné dans ma clinique. Et ta soeur? Elle se porte très bien, papa. Et tu es grand-père. L'aîné vient d'avoir sa troisième fille. Après le décès de votre mère. Je vous ai cherché partout. Je ne vous ai pas trouvé. Repose-toi maintenant, papa. La ville est encore loin.
Thank you.